moi, le projet canalien, il m'intéresse beaucoup parce que c'est du transport alternatif, etc. Moi, ce que j'apporte, c'est un peu un soutien technique parce que j'ai un peu d'expérience dans le milieu de la batellerie et sur les péniches. Moi, je transporte mes produits déjà. C'est comme ça que je suis venu d'abord à l'Isarine. Parce qu'avant avant les Canaliens, il y avait une SCOP, une coopérative qui s'appelait Alizarine, qui transportait déjà du vin pour des Ardéchois. Moi, je fais partie donc, des Canaliens depuis 2 ans maintenant, la naissance de la coopérative, qui m'occupe surtout de la jonction entre les livraisons des producteurs qui chargent le bateau, et ensuite de l'accueil et de la répartition auprès des groupes qui viennent sur le bateau récupérer leurs commandes. Je suis dans le groupe des 5 personnes qui ont fondé les Canaliens. Et de manière globale, je suis. Avant ça, j'étais logisticien, donc c'est moi qui m'occupe plus de la partie logistique. Voilà, je donne un petit coup de main aussi sur la partie commerciale, parce qu'on y touche tous un petit peu quand même. On est tous, que ce soit Romain, moi, Kevin, Vincent et Théophane, on est tous à fond dans notre travail. On est bénévole et on a un autre travail par ailleurs. Je ne serais pas là si j'y croyais pas, c'est sûr que je ne le ferais pas. Bon, moi je suis un habitué des bateaux passagers, et c'est complètement autre chose, mais j'ai fait du transport en vrac, c'est encore autre chose. Et là, c'est très alternatif. Eh ben, moi j'ai fait le matelot. Et je suis la matelote du bateau. Moi, mon rôle, c'est de seconder le pilote. Je participe pour la deuxième fois au voyage à la remonte vers Paris avec Bernard pour continuer à me former. On a rêvé de construire un voyage en bateau, c'est-à-dire de trouver un minimum de 50 tonnes de marchandises sans lesquelles on ne peut pas payer le déplacement d'un bateau. Parce qu'un bateau n'est rentable que, bien évidemment, s'il emporte 7 ou 8 camions. Relancer un petit peu le transport fluvial, collaborer avec le transport maritime, essayer de travailler à des transports alternatifs qui permettent de consommer moins d'énergie, transporter de bons produits de manière plus écologique. Il y a un réseau qui existe, il y a des bateaux qui naviguent. Donc pour nous, c'était vraiment l'intérêt de le perpétuer et de continuer à ce qu'ils avancent et qu'ils se remplissent de plus en plus. Alors l'objectif de ce voyage, donc on l'appelle le voyage de printemps parce qu'il y a aussi le voyage de l'été et après il y aura peut-être d'autres voyages. Là on prend principalement en charge du vin d'un vigneron de Denis, donc il met à peu près 30-40 tonnes dans le bateau. C'est une chaîne de sécurité. Ouais. Si jamais tu pètes le câble, le pieu il. Ah, c'est tout, c'est pas ça qui bloque en fait. Sinon, ton alternateur, il fait du 24, c'est pensé.
Là, là on envoie le 26. Ah oui, là il y a un peu de point de rouille. Ah ben t'en auras à la flottaison là. Ah. C'est quoi le moteur là alors? C'est un GM, un moteur de tank de la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait le débarquement de la Normandie. On a fait un peu le contrôle technique du bateau, comme on peut dire quoi, en vulgarisant les choses. Donc on vérifie l'épaisseur de la coque, on fait le plan de sondage. Donc il y a un expert qui vient pour ça, avec des appareils de mesure. Et on vérifie l'état du bateau, de la coque, etc. Quelque chose qu'il faut faire tous les 5-6 ans pour le professionnel. Il passe plein de choses à Marseillan. On se retrouve à plusieurs bateaux avec un voilier, deux péniches. Nous aussi on a un contact en Sicile, un gars qui fait des pâtes, il cultive son pâte. Les gens maintenant, ils sont quand même attentifs à tout ça. Après, ils découvrent un petit peu qu'il y a des bateaux et des canaux qui transporte des marchandises. Mirabelle, vous connaissez, non? C'est des petites prunes jaunes. C'est quoi du quetch déjà? Ça, c'est du nectar de quetch. Les quetch, c'est des prunes rouges. Ah oui, c'est des prunes vrai. Rouges qui sont en Lorraine, là-bas, du côté de Metz, Verdun, tout ça. Ça a l'air bon, le nectar de quetch. Ah oui, c'est bon. C'est du... comme du jus de fruits, quoi, voilà. Thank you.
Ben oui, on est en panne, alors on se fait un petit café pour patienter. On va avoir de la patience. On va essayer de trouver des solutions. C'est un bateau qui va avoir 100 ans d'ici 2-3 ans. Donc il faut bien... Il n'est pas tout neuf. De temps en temps, il faut lui faire un petit coup de neuf. Mais tu t'imagines, là, il faut qu'on remette au moins 30-40 litres d'eau, là. C'est des changements de vie, c'est d'avoir envie de voyager, c'est envie de changer, c'est envie de voir du paysage et puis être sur l'eau. C'est un rythme qui nous convient. On ne va pas vite, on a le temps d'apprécier là où on va. Chaque jour, on est dans un endroit différent. Quand on navigue pendant un mois, tous les soirs, on est dans des endroits totalement différents. Là, on est sur les Rhônes. On est rentré, on vient de rentrer de Bagnas, du canal du Midi. On traverse, on va traverser les Rhônes là. Et on va se retrouver à l'écluse ronde par un petit cannelé. Y a personne. Klaxonne quand même. Ben là, on arrive dans le cannelé qui arrive jusqu'à l'écluse ronde. C'est un petit bout de canal qui nous amène jusqu'à l'écluse. Ce bateau, depuis 2 ans, c'est le seul qui passe en tant que commerce maintenant sur des canaux entre Paris et la Saône. Il n'y en a plus parce que les canaux sont envahis, parce qu'il y a de l'herbe qui pousse, des plantes invasives maintenant qui se sont installées. Et les bateaux chargés ne peuvent plus naviguer, c'est plus rentable. On va s'arrêter là avant l'écluse. Oui, oui, oui. Je vais essayer de foutre le plus près possible du muret là et tu plantes le pieu là. Voilà, on enlève la marquise pour passer les ponts de Béziers. On va repercer ici. Et là, on va mettre des boulons bois. Ou alors, c'est vraiment que j'ai eu un gros oubli. Non, mais après, elles sont, je pense qu'on pourrait mettre des attaques. On n'a pas de... Je tiens ça pendant que tu serres. Ça tourne. À partir d'ici, les ponts s'arrondissent et ils viennent très bas. On est vraiment sur le canal du Midi. Sur cette partie du canal du Midi, on est sur un gabarit qui est encore international. 3,50 m de pont à plat. Là-bas, on va avoir 3,30 m à l'axe et des arrondis.
Voilà, il y a votre mère. Tire un peu le voyage jusqu'à Béziers pour aussi prendre du vin de la région de Béziers et pour aussi montrer que les voies navigables de Béziers peuvent être utilisées pour le commerce. Déjà, si on prouve que les canaux sont utilisables pour le commerce et encourager les administrateurs à entretenir les canaux, eh ben j'espère en encourager d'autres pour faire le même métier et refaire vivre le fluvial et remettre peut-être un jour les chemins de halage et ainsi de suite. Merci André, à la prochaine, on ne sait pas encore quand. On redescend le 17-18. Là, c'est très facile de... Hein? C'est facile hein, de me toucher, donc voilà. Oh, j'aimerais trop le toucher. Maintenant, on part pour plus d'un millier de kilomètres pour 3-4 semaines pour Paris. Le vin, on a le temps de le transporter, on peut s'organiser pour le stocker, on peut, il n'y a pas besoin qu'il soit livré tout de suite, il n'y a pas de date de péremption.
Donc un vigneron peut s'organiser à partir de sa mise en bouteille pour déplacer un stock important de manière lente, en économisant de l'énergie, en utilisant les canaux, pour amener voilà, cette quantité-là à Paris ou ailleurs, et ensuite, petit à petit, la faire distribuer à vélo. L'idée, effectivement, aujourd'hui, c'est un vieux bateau. Bon, au niveau énergie grise, déjà, il ne coûte plus rien, ça fait 100 ans qu'il a été fabriqué, donc il n'y a pas de problème. Après, au niveau consommation d'énergie, oui, c'est pas beaucoup mieux que le camion, c'est un peu mieux que le camion, mais on peut améliorer. Et pour moi, l'important, c'est vraiment de garder ce ferment et d'aller vers des énergies plus propres. C'est que des petites structures à la fois qui achètent et à la fois qui produisent. C'est des petites exploitations, des fermiers, des artisans. C'est de la paysannerie, on défend la paysannerie. Donc oui, on peut parler de commerce équitable. Après, c'est aussi un commerce qu'on veut écologique, c'est-à-dire sortir du tout routier qui nous pourrit la vie depuis 40 ans. Déjà, le fluvial en soi, c'est beaucoup moins cher que le transport routier, ça c'est avéré. Après, c'est des questions aussi de choix politiques, comme on parlait hier. C'est-à-dire que depuis 50 ans, on est dans le paradigme du tout routier et toutes les aides publiques vont à la route. Donc, on n'est pas, en fait, on marche pas à armes égales. Si jamais on pouvait comparer, s'il y avait autant d'aides pour le fluvial qu'il y en a pour la route, on pourrait, notamment pour les motorisations, etc. Maintenant, avec l'actualité, avec le renchérissement de la vie, avec le renchérissement du pétrole, on devient de plus en plus compétitif avec le fluvial. Un réseau qui existe, qui est fonctionnel, améliorable mais fonctionnel. On a a priori des collectivités et une population qui adhèrent. Enfin, c'est, quand on rencontre des élus, qu'on les invite sur les bateaux, etc., on s'aperçoit que oui, ça, que effectivement ça fonctionne. Les élus sont réceptifs, ils trouvent que l'initiative est bonne. Maintenant, la boucle n'est pas bouclée parce qu'il faut aussi trouver les chargeurs. Et quand on aura ces quatre facteurs, donc les bateaux, le réseau, le soutien financier et les chargeurs, peut-être qu'on arrivera à avoir quelque chose de très très pertinent. Ah ben là, on est dans le nucléaire, on est à Cruas. C'est quand même l'éloge de la lenteur dans le sens où, ce n'est, où les personnes qui sont clientes ou chargeurs jouent le jeu de cette lenteur.
Après, au niveau consommation, pollution, effectivement, non. Un bateau, il y a un moteur, hein, c'est un moteur de camion, c'est ni plus ni moins qu'un moteur de camion, donc on pollue moins, déjà au moins 2,5 fois moins. Le transport par péniche est beaucoup plus écologique que le transport terrestre, qu'il soit ferroviaire, routier d'ailleurs. On le comprend très bien de manière très élémentaire qu'il est beaucoup plus simple de déplacer un volume sur de l'eau que sur la terre. Voilà, de manière très simple, tout le monde peut faire l'expérience. Ici, ce bateau qui faut faire 160 tonnes de charge, on se met contre le quai en poussant un petit peu fort. Même moi, j'arriverai à déplacer ces 160 tonnes, ce qui serait évidemment impossible sur la Terre. Une route, c'est ou une voie ferroviaire, pareil, c'est une zone morte. C'est une zone où les animaux ne peuvent plus passer. C'est anti-écologique, on va dire. Alors qu'une une voie d'eau, par définition, c'est un corridor écologique. C'est-à-dire que en fait, le fait même de passer avec un bateau, ça aère l'eau et ça fait vivre toute la faune des fleuves et des rivières. Sur l'autoroute, là, en une minute, 20 camions dans les deux sens. Donc c'est impressionnant. Mais ça se trouve, on est un creux. Je vais refaire une rencontre de l'autre côté du pont pour voir s'il n'y a pas un créneau où il y en aurait plus. Le transport fluvial, qui à la fois est un transport historique,
et aussi un transport d'avenir de par son impact environnemental faible par rapport aux marchandises qu'il transporte, par rapport au tonnage qu'il peut transporter. Là, sur une péniche comme ça, on peut transporter 160 tonnes et on va consommer 4 fois moins de carburant qu'un poids lourd. Si on accepte d'être livré 3 semaines plus tard, on impacte moins la planète. Transporter du vin dans des péniches, ça répond tout à fait à nos engagements, en tout cas notre raison d'être chez OUE, qui est de proposer du vin le plus engagé possible et de transporter notre vin en péniche a complètement son sens pour nous, parce que beaucoup moins émissif en gaz à effet de serre. C'est un engagement écologique, citoyen, un petit peu militant aussi pour prouver que c'est possible. Et on espère que d'autres nous suivront et qu'il y aura encore plus de péniches et que ce sera encore plus facile de les remplir et de les utiliser surtout. L'enjeu à l'heure actuelle est plus sur le dernier kilomètre, sur les livraisons, pour éviter de rajouter du trafic à ce qu'on a essayé d'éviter auparavant. Et là aussi, on a des solutions assez concrètes, puisqu'il y a des vélos qui vont tourner, qui vont décharger le bateau. Fluvial apporte une solution pour le dernier kilomètre en ville, parce que pénétrer dans les villes aujourd'hui avec des utilitaires ou des poids lourds, ça devient un non-sens écologique et économique complet. Il faut des journées entières pour faire des tournées de livraison. Et avec le bateau, on arrive à apporter des masses importantes. Là, ici, 50 tonnes de vin qu'on pourra arriver à décharger au plein cœur de Paris, au bassin de la Villette, au bassin Louis Blanc ou voilà, sur le long de la Seine. Ça y est, on arrive sur Paris. Regarde, ouais. C'est la fin du voyage. Chouette, chouette, chouette. Voilà, on va découvrir la vie parisienne alors qu'on était loin, 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 bien loin de la civilisation.
pas un selfie, hein, c'est je prends la photo du paysage. Le bateau il est en panne dans l'écluse, le petit bateau là, alors on va le sortir, je vais prendre son amarre et on va faire une marche arrière pour le sortir jusqu'ici. Je libère un peu de mou pour garder de la distance. Notre enjeu à l'heure actuelle pour la coopérative et pour chacun des membres de la coopérative, c'est de pouvoir rassembler les activités de chacun isolées dans son coin, de chargement, de transport, que ce soit de marchandises, de livres, de toutes sortes de produits d'échange, d'un point A à un point B, en utilisant le bateau et le réseau des canaux et des fleuves, qui à l'heure actuelle existent encore. Il y a beaucoup de soucis sur l'entretien du matériel, des écluses et des voies navigables. Et l'enjeu en perpétuant un voyage qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, d'en faire même un deuxième dans l'année, c'est de montrer que c'est faisable, que cette infrastructure est encore en état de fonctionner. Et pour l'instant, même si on est les rares, peut-être les seuls sur certains tronçons à les emprunter, c'est un réseau qui fonctionne. C'est le premier vers le blanc. Là. Désolé, je te fais des regards comme tout le temps, je suis pas habitué à... Ah oui. À faire comme s'il n'y avait pas la caméra. Ah oui. C'est forcément des doux rêveurs, mais je crois que dans ce monde de merde, il ne faut pas le dire autrement, c'est bien qu'il y ait des rêveurs et des gens qui disent « on pourrait faire autrement ».
L'idée, c'est de montrer que c'est possible et peut-être, je l'espère, d'ici 2-3 ans, avoir un bateau de plus grande capacité qui soit rempli plus souvent et faire des navettes, des allers-retours plus fréquents sur Paris, sur Rouen. Il n'y a rien de plus simple et de plus évident que transporter par les voies d'eau, ça c'est toujours fait, bien avant le train, bien avant la route. Donc il y a quelque chose au contraire de plein de bon sens et voilà, assez évident à mon avis d'utiliser tout le réseau hydrographique qui existe pour transporter nos marchandises. Ensuite, on est dans un monde qui est de toute façon tellement fou que je pense que les plus utopistes sont à mon avis souvent les plus réalistes. Le souci c'est que tout le monde est favorable à ce genre d'activité. Tout le monde voudrait voir ça revenir, mais globalement, personne n'est prêt à changer ses habitudes de faire appel à Amazon et d'avoir les choses dès le lendemain. La péniche, elle ne colle pas à ses habitudes. Utopiste, non. Ou alors, en tout cas, c'est plutôt sur une dimension d'utopie concrète, parce que il y a du chargement, il y a des producteurs qui sont demandeurs, qui cherchent aussi des solutions, parce que ça les dérange de plus en plus de remplir des camions et d'être à flux tendu. Ce que permet le bateau, c'est à la fois du transport, mais aussi du stockage. Alors rêveur, je pense qu'on l'est. Utopiste, peut-être pas. Du coup, il y a l'écologie, il y a le rapport humain, qui sont des valeurs un peu qu'on essaie de transporter sur notre péniche. Il faut vivre dans l'utopie pour faire avancer les choses. Donc oui, c'est peut-être un projet de doux rêveur, mais sans rêve, est-ce qu'on avance? Je sais pas, c'est une question que je pose à tout le monde.